mort pour la seule gloire de son nom. Avant de commencer, j'aimerais nous rappeler notre rendez-vous de lundi. Lundi, nous serons avec la servante Sarah Diamba qui a chanté la chanson Jéhovah Mokonzi Yabaka. Nous allons passer des temps d'édification et les temps de qualité. N'oublie pas surtout ce rendez-vous. Il y a aussi une formation que j'aimerais te recommander, c'est la formation sur la prise de parole en public. Oui, c'est vrai. Tu as le courage de prendre la parole en public, mais c'est avec quelle manière que tu prends la parole en public. Sache une chose, chaque fois que l'opportunité t'est donnée de parler en public, c'est comme une opportunité en or qu'on te sert sur un plateau, parce que par là, tu peux avoir des promotions, tu peux aussi avoir un contrat, que ce soit des contrats d'affaires ou des contrats d'embauche. Donc, savoir parler en public, c'est une très bonne chose. Je te recommande cette formation. Je suis même la première personne à être inscrite sur la liste. Eh bien, ça va commencer le 29 au 30. Donc, ça sera pour 2 jours seulement. 2 jours seulement pour que ton mindset puisse changer et que tu aies encore une valeur ajoutée sur toi. Je te recommande vivement de t'inscrire. Les numéros sont affichés. Voilà, les numéros sont affichés, que ce soit des transferts, des transactions financières pour ceux qui sont à l'étranger et pour ceux qui sont sur le plan national. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et richement. Sans plus tarder, nous allons revenir sur notre sujet. Et aujourd'hui, ma carrière doit-elle passer avant tout? Ça, je n'en sais pas. Nous allons discuter avec Maman Brumel, avec Maman Grâce. Nous allons passer un temps merveilleux dans sa glorieuse présence. Que le Seigneur vous bénisse richement. VBS immortalise votre journée inoubliable par son ciseau d'or. En dehors de ses tenues de cérémonie, VBS a aussi d'autres produits que vous pouvez voir en image. VBS, la qualité, l'excellence, la date d'échéance est respectée à la virgule près. Si vous êtes à Pointe-Noire, contactez VBS pour vos tenues de cérémonie. Et oui, si vous êtes à Pointe-Noire, vous allez contacter VBS pour vos cérémonies, même des tenues au quotidien. Vous ne serez pas déçus. Elle a une main d'or, un ciseau d'or, je vous assure. Beauté divine, le meilleur endroit, l'endroit idéal pour vous faire sublimer lors de vos cérémonies, dot, mariage civil, bénédiction nuptiale, anniversaire. Avec beauté divine, soyez unique et spécial pour votre jour inoubliable. Et oui, avec beauté divine, soyez unique, soyez spécial. Beauté divine va rendre votre journée inoubliable. Vous serez la plus belle du jour. Ça peut être des moments de cérémonie, tout comme vous voulez vous rendre belle pour vous-même et pourquoi pas séduire votre partenaire. Je vous conseille ce salon de coiffure. Mon Dieu, c'est juste. Wow. Et nous allons commencer. Bonsoir, Maman Brumel. Bonsoir, bonsoir, bon Tessie. Comment vas-tu? Je vais très bien. Ça fait un moment déjà. C'est elle, Maman Brumel, la patronne PDG de VBS. Je vous assure, vous ne serez pas déçus. Des tenues sur mesure. Il n'y a pas de question, tu vas, tu reviens. Non, c'est bon, en 2 minutes, et puis tu es même fatiguée. Dès le premier tour, tout est sur mesure. Elle est là, je vous assure que c'est une merveilleuse couturière, styliste, modéliste. Oh, que Dieu soit loué, maman. Est-ce que maman Brumet peut nous recommander à la grâce de Dieu? Seigneur, nous bénissons ton nom pour ces merveilleux moments que nous allons passer dans ta présence.
Merci Éternel, notre Dieu, car ta parole déclare que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent. Nous bénissons la présence du Saint-Esprit en ce lieu et nous croyons, Éternel, notre Dieu, que tu vas encore transformer nos vies, que tu vas encore nous aiguiser au travers de ta parole, car ta parole déclare qu'elle est là pour nous corriger, pour nous instruire, alors que toute la gloire te revienne durant tout ce talk show. Que tu nous enseignes, que tu nous corriges, que tu nous instruises encore. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous disons Amen. Le thème, Maman Brumelle, est-ce que ma carrière doit-elle passer avant tout? Avec tout ce qui nous arrive dans la vie, parfois on peut prendre une décision qui vient d'une situation douloureuse ou on vient d'une famille aussi quelconque. On a grandi quelque part, on se dit que on doit d'abord faire passer la carrière avant tout pour certaines raisons et je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci beaucoup, maman Lucie. Alors, laissez passer. En fait, le but déjà de chaque parent, c'est de voir que son enfant est en train de s'épanouir dans un domaine bien précis. Et le bonheur de chaque parent, c'est de savoir justement que son fils ou que sa fille ou encore que son enfant est épanoui dans le domaine professionnel pour justement ne pas donner l'impression que les parents ont échoué dans leur responsabilité. Alors, la carrière avant tout, vraiment, c'est très complexe. C'est très complexe parce que il y a tellement de facteurs justement qui peuvent arriver et puis soit vous déstabiliser ou encore vous renforcer en faisant de telle sorte que vous puissiez vous concentrer uniquement sur votre carrière. Mais aussi, on va dire que la carrière professionnelle détermine la stature de la personne, en fait. La carrière professionnelle, en fait, on va dire que c'est comme le défi d'abord qu'on se fait à soi-même pour pouvoir prouver qu'on est épanoui, qu'on est équilibré, qu'on a un sens et qu'on est en train de remplir une tâche dans le monde quotidien et dans la vie quotidienne, pardon, dans le monde en général. Donc, miser sa carrière au détriment de tout, je pense que c'est un peu trop fort, mais avancer, comment on va dire, réussir dans sa carrière, c'est vraiment le souhait que chacun de nous devrait avoir pour un avenir meilleur. Voilà. Bonsoir, maman Grace. Bonsoir, maman Ruth. Ah, elle a disparu. Donc, c'est un peu ça. Bonsoir, bonsoir. Heureuse Bonsoir. d'être avec vous ce soir. Bonsoir, maman Grâce. Très, très belle maman Ruth. Merci, merci. Et qu'est-ce que vous en pensez à maman Brumel qui a commencé à épingler quelque chose de très important par rapport à sa carrière? Est-ce que je dois faire de ma carrière quelque chose qui doit passer avant tout? Pardon, on n'a pas bien compris la fin. La question de savoir est-ce que je dois faire passer ma carrière avant tout? Bien qu'il y a certaines situations qui peuvent arriver et me faire dire que pour moi, c'est d'abord ma carrière et le reste après. Est-ce que c'est un bon raisonnement? Alors, dans toute chose, c'est très important d'être équilibré. C'est très important d'être équilibré parce que déjà la Bible déclare que le plus précieux trésor de l'homme, c'est son travail. Ça, c'est ce que la Bible dit. Par rapport à cette question, j'aimerais simplement dire que chaque chose a son temps. Il y a des moments dans la vie où normalement notre carrière passe avant plusieurs choses. Je ne veux pas tomber dans le piège de dire passe avant tout,
mais passe avant plusieurs choses. Regardez un peu, je prends l'exemple d'un jeune homme, d'une jeune femme qui vient de finir les études, qui s'engage dans la vie professionnelle, pas de femme, pas d'enfant, voilà, un peu, on va dire, libre comme l'air. Mais cette personne-là, à cette personne-là, on va demander de vraiment se donner à fond pour gravir les échelons, pour faire, parce que c'est un moment aussi où il faut en profiter, en fait, pour être productif, pour produire des fruits dans sa carrière, pour avancer, pour gravir des échelons dans une société, voilà, dans la fonction publique, peu importe. C'est un temps où la carrière doit passer avant tout, où on ne doit pas être distrait par des choses inutiles à gauche, à droite. À ce moment-là, à mon humble avis, la carrière doit vraiment être mise en avant. Parce que c'est un temps aussi que Dieu donne pour qu'on puisse avoir comme une accélération. Parce que dans la vie, lorsque notre statut change, il change avec beaucoup de choses. Il y a beaucoup de changements qui s'opèrent. Lorsque ce même jeune homme, cette même jeune femme va s'engager dans une relation, va se marier, va avoir des enfants, faire passer sa carrière avant tout le reste, va créer un déséquilibre qui peut produire des catastrophes, que ce soit dans la famille, même dans la vie de couple. Donc moi, pour résumer, je dirais que la carrière passe avant tout à une certaine saison dans la vie. Parce que la vie, elle est faite des saisons. Il y a des saisons où vraiment ça doit passer avant tout. C'est comme aujourd'hui, un enfant qu'on met à l'école. Ses études passent avant tout. Il a 12, 13, 14 ans, 15 ans. L'école va passer avant tout. Ça sera pas, on va pas demander à cet enfant-là de chercher à avoir des relations de copinage et tout, parce qu'on veut que cet enfant excelle dans les études. Donc, il se concentre là. Vous voyez? Et c'est une saison qui est comme ça. Après, il va venir une saison où le même enfant à qui on demandait d'être concentré dans les études, à un moment, l'enfant va progresser dans la carrière et puis on voudra que cet enfant puisse s'engager, voilà, dans des relations pour bâtir un foyer. Mais dans toute chose, c'est une histoire aussi de saison. Voilà pour mon humble contribution pour l'instant. Amen. Et Maman Grâce, c'est une discussion. Hein. Dès que Maman Divine est en train de parler, Maman Grâce a une idée, Maman Brumel a une idée, on peut directement aller. Il n'y a pas de police. Je pense que, merci beaucoup Maman Tessie, merci pour la parole. Je pense que mes sœurs ont tout dit, Maman Brunel a tout dit, Maman Ruth Divine aussi a tout dit. Effectivement, ce qui est vrai, c'est qu'il n'est pas toujours facile de pouvoir maintenir l'équilibre entre sa carrière et puis d'autres plans de sa vie. Et vraiment, pour moi, je dirais que mes sœurs ont déjà tout dit. Elles ont tout dit. Et comme a su le dire Maman Divine, effectivement, il y a un temps pour toutes choses. Lorsqu'on est au début de sa vie, il y a un temps pour s'aimer, en fait. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Ça signifie que dans une certaine période de sa vie, on peut accepter que sa carrière passe avant toute chose. Parce que nous n'avons pas assez d'obligations, parce qu'il n'y a pas, en fait, des gens qui s'attendent à nous. Nous avons... Maman Divine a parlé tout à l'heure d'un élève qui est en train d'étudier. En fait, cet élève-là n'a pas encore de vie de famille. Cet élève-là n'a pas un époux ou si c'est une femme, un homme, il n'a pas encore une épouse qui s'attend à lui à une certaine heure de la journée. Il n'a pas des enfants. Donc, du coup, il a vraiment le temps pour lui de pouvoir s'investir, de pouvoir se donner totalement. Mais il y a une certaine période de la vie, un certain temps de la vie que malheureusement, l'effort qu'on pouvait donner à une certaine époque, on ne peut malheureusement plus le donner. Parce que si on continue à donner cet effort-là, ça signifie qu'on créera un déséquilibre. Parce que l'homme ne peut pas être efficace dans tous les plans au même moment. Non, c'est un choix qu'il fera. Soit il sera plus efficace dans sa carrière et sacrifiera sa famille, soit il sera plus efficace au niveau de la famille et il sacrifiera sa carrière.
Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que les mamans ont déjà dit. Voilà pour ma part. Merci. Parfait, que Dieu soit loué. J'aime beaucoup ce que Maman Divine a dit. La vie est faite des saisons. Mais, mes chères mamans, qu'est-ce qui peut pousser une personne de raisonner ainsi? Quelles sont les raisons qui peuvent pousser une personne de se dire que ma carrière avant tout? Il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent pousser quelqu'un à raisonner de cette manière. Il y a aussi les blessures. Voilà, ça revient encore. Les blessures. Il y a des blessures qui poussent les personnes à se focaliser sur ça parce qu'elles ne veulent plus revivre les choses qu'elles ont vu peut-être leur père ou leur mère revivre. Il y a un autre facteur, ça peut être aussi un excès d'ambition. Ça peut être un facteur. Il y a des gens qui sont ambitieux et ambitieuses outre mesure. Donc, pour eux, ce qui compte dans leur vie, c'est avancer, gravir les échelons. Peu importe qui meurt en bas, moi, mon problème, c'est seulement monter sur l'échelle. Même s'il faut que je marche sur les gens, que je marche sur mon couple, que je marche sur ma relation avec Dieu, le plus important pour moi, c'est de monter. Donc, il y a l'excès d'ambition, mais il y a aussi l'orgueil. Il y a aussi l'orgueil. Et il y a aussi l'orgueil pour montrer que je suis capable. Que voilà, moi, si je rentre dans une entreprise, je ne peux pas faire 10 ans à la même place. Il faut que je monte pour que les gens me voient, pour que les gens m'apprécient, pour que les gens remarquent combien je suis intelligente, combien je suis brillante. C'est aussi un certain orgueil professionnel, des fois qu'on traîne sans s'en rendre compte. Donc, je récapitule, il y a les blessures intérieures. Quelqu'un qui a eu peut-être une maman qui était écrasée par son mari parce qu'elle n'avait pas de carrière, parce qu'elle était juste là à la disposition des enfants et du mari. Ça peut être l'orgueil, ça peut être aussi, comme j'ai dit, un excès d'ambition. Mais parfois, ça peut être aussi un manque d'équilibre dans la vie. Lorsqu'on ne sait pas classer ses priorités dans la vie, ça fait que la balance de notre vie va pencher d'un côté et pas de l'autre. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser quelqu'un à être carriériste. Vraiment, c'est ça le mot. Il y a plusieurs raisons. Il y en a, c'est parfois une crise d'identité. Il y a des gens qui n'ont rien d'autre dans la vie que leur carrière. C'est des personnes qui ne sont pas relationnelles, que ce soit avec leur famille, avec le monde, tout. Donc, tout ce qui compte pour eux, c'est leur carrière. C'est aussi un problème d'identité. Il y a des gens qui se définissent seulement par rapport à ce qu'ils font. Pas par rapport à ce qu'ils sont au-dedans d'eux, mais par rapport à ce qu'ils font. Donc, pour l'instant, je peux citer ces trois choses. Donc, l'excès d'ambition, les blessures intérieures, l'orgueil, parfois aussi une crise d'identitaire. Ça peut conduire quelqu'un à développer ce raisonnement de ma carrière passe avant tout. Ou parfois, il y a des gens qui veulent aussi prendre leur revanche sur la vie. C'est quelqu'un qu'on a tellement écrasé, bon, il veut prendre sa revanche sur la vie. Et voilà, il se prend la fond sur la vie. Vraiment, c'est ce que j'allais dire aussi. Il y a des personnes qui, dans leur enfance, ont été écrasées. Ah, toi, tu n'es pas intelligent. Toi, qu'est-ce que tu peux faire et tout. Un peu comme on a dit à Jésus, hein, qu'est-ce qui peut sortir de bien à Bethléem et tout ça. Alors que... on savait tous que c'était le Fils de Dieu. Et c'est pourquoi aussi c'est important pour nous, les parents, de déclarer voilà, des paroles positives. Parce qu'il y a des enfants, depuis leur enfance, on leur a toujours dit « Toi, tu es bête, tu ne vas jamais évoluer. » Et une fois que la personne a eu la grâce d'évoluer, elle se focalise justement sur sa carrière. Elle se dit « Bon, je m'attache à ça. » Au prix parfois même de sacrifier, hein. Parfois, on peut lui dire, bon, d'accord, pour que tu puisses évoluer, échanger tel grade, on voudrait que tu écrases X ou que tu puisses mettre en péril le travail de Y. La personne est en mesure de sacrifier toutes ces personnes qui sont à côté d'elle simplement parce qu'elle a envie d'être au-dessus, simplement parce qu'elle pense que c'est en ayant, comment je vais appeler ça, c'est en ayant un titre, dans ses fonctions, qu'elle va se sentir positive. Il y a un homme que je connais qui, une fois, a été nommé directeur, mais c'était chaud. J'ai travaillé sous lui, mais la limite, il vous imposait. Fais ceci, je suis ton chef.
fais cela, je suis ton chef. Donc, il avait tout le temps tendance à rappeler aux gens qu'il était chef. C'est pour dire que c'est quelqu'un qui était écrasé. Chaque fois, on lui disait, voilà, tu n'es pas intelligent et tout, tu ne peux rien faire. Et il y a même des... Il y a aussi un autre cas, il y a des femmes aujourd'hui qui, pour vouloir préserver ou bien pour vouloir, bon, pour vouloir préserver leur statut, peut-être, je ne sais pas, peut-être juridique, je ne sais pas comment je vais appeler ça, leur statut de vie sont en mesure parfois de faire des compromis avec leur patron et tout pour pouvoir... grader, je sais pas moi, avoir des échelons et tout, et puis être reconnues parce qu'elles font tel ou tel travail. Mais il y en a d'autres aussi qui ont tellement galéré, hein, Maman Grâce. Elle a mangé le mboata matin, midi, soir pendant beaucoup d'années. Elle n'a pas pris le lait quand elle était petite. Du coup, une fois qu'elle a réussi à l'école, elle se dit que c'est la seule voie par laquelle elle doit avancer. Donc, du coup, on est à fond dans sa carrière. Et il y a aussi la peur d'échouer, le fait que parfois les parents ont tout donné pour toi pour que tu réussisses. Donc, tu es obligé. C'est un peu comme on dit, hein, les entrepreneurs, eux, la nuit, pendant que les autres dorment, eux, ils rêvent le loyer, les fournitures et tout ça là. C'est vraiment compliqué. Il y a vraiment la peur de tout arrêter comme ça, la peur de voir tous les efforts qu'on a dû dépouiller comme ça, se volatiliser. Ça fait parfois qu'on est centré sur sa carrière. Et moi, je suis un peu comme ça. Il y a des fois où je peux rester au boulot jusqu'à 22 heures. J'ignore, j'oublie. Pas que j'oublie que j'ai un mari, que j'ai des enfants, mais je me dis... J'ai un défi à atteindre. Mais maman, ça y est, tu dis que tu es comme ça, mais ça veut dire que est-ce que ta carrière, donc, elle passe avant toute chose? Parce que bon, en nous parlant de la carrière, passe-t-elle avant toute chose? Est-ce que, maman, ça y est, tu peux dire aujourd'hui, bon, moi, ma carrière, j'ai beaucoup de commandes cette semaine, en tout cas, je peux passer la nuit à l'atelier. Pendant une semaine, vous n'allez pas me voir à la maison, débrouillez-vous. Ah, c'est ça! Mais il y a des gens, il y a des femmes qui font ça. Il y a des femmes qui font ça, qui, elle va partir en voyage parce que voilà, il faut que j'aille en mission, je dois faire cette formation, parce que si je finis, je vais être promue chef de service. Donc, elle est capable de tout plaquer, de tout laisser derrière elle, justement, au bout. C'est pas mauvais, c'est pas vraiment mauvais en soi, mais à quel prix? C'est ça. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier les choses qui vont rester après que la carrière soit passée? Parce que la carrière, ça justement, c'est ça. Quand elle va s'arrêter, on revient. Moi, je parlerai, c'est pourquoi moi, les féministes, hein, des féministes aussi, ont souvent, vont souvent dans cette lignée-là de se dire que c'est d'abord la carrière, j'aimerais d'abord atteindre ceci. Et parfois, s'il arrivait que ces femmes-là se marient, il y a une affectation, comme Maman Divine l'a dit, mais... ils peuvent même pas écouter l'avis de leur époux, ce qu'elles ont décidé, c'est ça, c'est d'abord partir et puis laisser parfois des enfants auprès du monsieur ou trouver une personne qui viendra prendre soin des enfants. Il y a d'autres cas où la femme décide de partir avec des enfants et laisser le monsieur. Je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, Maman Divine ou Maman Grâce, qui est la partisane de l'équilibre? Évidemment, il y a aussi ces cas-là. Nous rencontrons aussi dans la société les femmes se retrouvant dans un foyer, mais dont les hommes, en fait, ne jouent pas leur rôle, dont le mari ne joue pas leur rôle. Il y a aussi ce cas de figure-là. Du coup, quand la femme se rend compte que quand elle a des besoins, quand il y a des besoins au niveau du foyer et que l'homme est incapable, en fait, de pouvoir jouer le rôle qu'il faut de pouvoir survenir à ses besoins ou aux besoins de la famille, cette dernière, en fait, se voit dans l'obligation de plus se donner, de plus s'investir et même arriver au niveau d'oublier son foyer. Parce qu'elle se dit, en fait, si je ne me donne pas, si, en fait, quand le patron a besoin de moi, quand il y a des rapports à faire, si je ne me donne pas jusqu'à prendre des heures supplémentaires, malheureusement, quand j'aurai un souci, qui devrait pourvoir à ces besoins-là? Il y a aussi ça.
Il y a des femmes, en fait, qui se sentent seules, même dans leur vie de couple. Il y a des femmes, il y a aussi des cas, des filles uniques, par exemple, je peux dire. Il y a des femmes, des filles uniques, en fait. Son père, sa mère est peut-être dans un niveau de vie qui n'est pas du tout un niveau où ils peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Et cette dernière, elle se retrouve dans l'obligation de pouvoir toujours être présent financièrement à survenir aux besoins de ses parents. Vous allez voir que ce genre de personne, elle se sentira dans l'obligation de s'investir comme il se doit. Il y a un adage au Congo où on dit qu'il sale que papa n'a maman. Donc, en fait, pour certains Congolais, on se dit même, tu peux être orphelin ou orpheline de père et de mère, mais si tu as ton boulot, le boulot remplace en fait tes parents. Donc, il sale que papa n'a maman. Donc, pour cette personne qui a des... C'est un adage congolais que je n'aime pas aussi. Mais tu peux continuer, maman Grace. Ça a son sens. Mais bon, c'est un peu un abus, à mon avis. Ok. Donc, il y a aussi ce cas de figure-là. Et des gens se trouvant dans des pareilles situations se disent que je suis dans l'obligation de m'investir parce que si je le fais pas, qui le fera? Il y a des gens qui disent en patois, nous sommes toutes des Congolaises, que si en fait, quand je verse de l'eau par le derrière, qui pourra kouyamber en français, comment on peut dire ça? Qui peut... en français, moi tes filles, maman Brunel, maman Ruth, dites-moi un peu en français. Bon, d'accord, je vais utiliser le terme qui va accueillir l'eau que je vais verser. Qui va recevoir ça? Donc, il y a aussi ce cas de figure, malheureusement, qui pousse les gens à pouvoir se donner au-delà. Il y a ça, mais il y a aussi l'éducation. Il y a des formes d'éducation où on éduque le jeune homme ou la jeune femme à ne compter que sur son travail et à ne compter sur personne d'autre. Et donc, une personne qui a eu une telle éducation où on te dit ne compte pas sur les gens, il faut aller à l'école, c'est ton travail, il faut vraiment... Une personne qui a reçu ce genre d'éducation, elle va intégrer dans son esprit que moi, dans la vie, je n'ai personne si ce n'est ma carrière. Donc, elle va prendre soin de sa carrière à 100%. Il y a vraiment beaucoup de femmes. Il y a des gens qu'on étudie comme ça. Vous êtes seul, hein, vous n'avez personne. Donc, ton travail, c'est ta vie. Il faut que tu te donnes à fond. Mais maman divine, qu'on se le dise aussi, ce n'est pas faux. Quand on voit certaines réalités dans les familles, oui, maman, c'est vrai. Moi, je suis en train d'en parler, oui. Mais... Parce qu'on nous a demandé les causes. Ouais, on me demande les réalités, en fait. Même moi qui vous parle, on m'a éduqué comme ça, que vous n'avez personne et tout, c'est votre travail, même vos frères, vos soeurs, il ne faut pas compter sur eux, chacun doit se chercher, chacun doit foncer dans sa direction, si se lance dans une carrière, vraiment, il doit tenir à fond. C'est un peu l'éducation que j'ai reçue aussi, mais c'est vrai, ce n'est pas faux. À un moment... Lorsqu'on arrive un peu à ce niveau-là, le danger justement après, c'est de penser comme ça, c'est de faire passer, parce que c'est de faire passer sa carrière avant tout. Parce qu'il ne faut pas oublier, lorsqu'on fait carrière dans une entreprise, qu'elle soit privée ou publique, elle a une fin. Et lorsque la moindre chose arrive, les personnes pour qui on travaille ne vont pas hésiter à nous mettre à la porte. Parce qu'elles peuvent recruter une autre personne, etc., etc. Ça aussi, c'est une réalité que, quand on a ce raisonnement-là, qu'il ne faut jamais oublier. Aujourd'hui, dans une entreprise, quand tout va bien, c'est bien, mais dès que ça ne va pas, ils n'hésitent jamais, malgré les sacrifices que vous avez faits, des fois à vous mettre à la porte. Donc voilà pourquoi c'est toujours important de gérer notre carrière et de gérer aussi notre autre vie. Être vraiment, vraiment... équilibré. Parce que si on fait passer la carrière avant tout, ceux qui gèrent notre carrière, ce sont des êtres humains qui sont soumis à des forces et à des esprits de part qu'on ne peut pas contrôler. Et donc, quand ces esprits-là, à un moment, voudront peut-être nous faire du mal, nous nuire, toucher à notre carrière, et qu'on n'avait que notre carrière dans notre vie,
vous voyez un peu ce, à quoi ça peut ressembler. Voilà pourquoi il y a des gens, après un licenciement, qui se sont même suicidés, qui n'ont jamais pu remonter parce qu'ils avaient tellement investi dans la carrière. Et quand il y a des chocs comme ça, les personnes, des fois, sont anéanties. Il faut qu'on trouve des psychologues, il faut qu'on prie. Les gens développent des maladies bizarres juste parce qu'elles avaient mis toute leur vie, comme on dit maintenant, elles avaient mis les organes dans la carrière. Et après, ça devient compliqué à gérer. Moi, je trouve aussi, je t'accorde la parole bientôt, maman. Le cas que maman Brumelle, maman Grâce a soulevé dans le mariage, parfois aussi, l'homme qui n'arrive pas à subvenir aux besoins de la famille malgré qu'il a des finances. Parce qu'il y en a des cas où le monsieur n'a rien. Mais au jour d'aujourd'hui, on constate que beaucoup de personnes, beaucoup des hommes qui ont une position financière assise, mais qui n'arrivent pas de subvenir aux besoins de la famille. Ça aussi, ça peut pousser aussi la femme de mettre toute son énergie dans sa carrière, de se dire que c'est moi qui subviens aux besoins des enfants, la scolarité, l'habillement, tout ça. Ça peut être aussi des raisons qui peuvent pousser aussi cette femme-là de se donner entièrement à son travail. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les mamans. Moi, je pense qu'on se... Et des déceptions amoureuses aussi, des insultes, le manque de respect du monsieur, tu ne fais pas ceci, tu ne vaux rien, et tout ça aussi, ça pousse à bout, en fait. Bien, moi, je pense que la carrière, elle est importante, c'est vrai, parce que ça nous permet de nous définir. Ça nous permet d'être indépendante financièrement. Bien qu'on soit marié, moi, j'ai horreur de dépendre de quelqu'un. C'est toujours... la Bible dit que la main qui reçoit, elle est toujours en bas. C'est vrai que la Bible dit aussi que les désirs de la femme vont se retourner vers son homme, mais c'est important aussi pour une femme d'avoir sa personnalité, de pouvoir s'offrir ce dont elle a besoin, de pouvoir se sentir épanouie, de pouvoir s'investir, donner des idées, voir naître beaucoup, tellement de potentiel qu'il y a en nous que je trouve ça quand même injuste. De s'asseoir simplement dans un foyer et puis attendre que l'homme fasse tout pour toi alors que tu as du potentiel. Maintenant, dans le cas où l'homme ne fait rien, déjà la Bible dit que l'homme est le chef de la famille. Donc, s'il y a une aide à apporter, je pense qu'elle doit être temporaire. Dès l'instant où la femme prend la place de l'homme, commence à tout faire, ça devient, en fait, c'est vraiment très, c'est très risquant en fait. Parce qu'elle va finir par, si ce n'est pas une femme sage, elle va finir par te manquer de respect. Elle va finir par, en fait, elle va finir par tellement se priver de beaucoup de choses qu'elle va commencer à te, en fait, à avoir du dégoût chaque fois qu'elle te verra, en fait. Parce qu'elle elle est à la fois l'homme et la femme, c'est elle qui, et puis quand c'est comme ça, les hommes-là, ils font, ils font rien à la maison. Le gars, il s'assoit matin, midi, soir, il est seulement devant Canal Plus en train de regarder la télé, les matchs, la Ligue des Champions, tout ça là. Il fait rien. Et c'est lui qui te rappelle encore, ah madame, tu es partie, tu n'as pas laissé l'argent de pain, hein? Pense à laisser l'argent de pain. Ou encore, te dit, ah madame, ah mais il y a la facture d'électricité. Donc en fait, il est, comment on appelle ça? Il désiste, en fait. Il est, j'ai oublié le mot qu'on dit souvent. Donc, démissionnaire dans tout, en fait. Et toi, madame, tu es obligée de te priver de tes sorties, de te priver de t'acheter. Parce que pour subvenir aux besoins, il faudrait bien que tu épargnes. Et s'il faut économiser, ça veut dire qu'il y a des choses que tu es censé faire personnellement que tu ne vas plus faire. Tu vas faire le strict minimum pour toi-même. Et tout le reste, ça sera simplement pour régler les problèmes des enfants, de la maison et tout cela. Donc, moi, je pense que c'est en fait, en couple, ils doivent s'entendre. OK, tu n'as pas de boulot, mais je vais devoir
par exemple, de soutenir à tel niveau. Et ensuite, même toi-même en tant qu'homme, tu dois avoir une fierté personnelle. Comment tu peux t'asseoir là et puis manger des gros morceaux de foufou, sachant que c'est madame souvent qui va chercher l'argent et te ramener. Il faut que tu te gênes à un moment, il faut que tu prennes conscience. Et je pense que... Voilà, donc il ne faudrait pas justement aussi tomber dans ce piège-là. Si c'est la responsabilité de l'homme de subvenir aux besoins de la femme, moi je pense qu'une femme sage devrait par exemple mettre de côté une certaine somme et donner à son mari. Voilà, je te donne une telle somme, à toi de trouver les moyens de fructifier cela afin que nous puissions avancer dans notre couple. Parce qu'après, ça te déstabilise en fait. Ça te déstabilise. Le monsieur travaille, la position financière, elle est stable, mais le gros patient de sa famille, je connais comment ça? Des mamans qui se sont battues pour étudier, pour même envoyer des enfants à l'étranger, mais le père avait des moyens. Non. Ça, c'est ça. Non. Ça, c'est simplement le mauvais cœur. Ça, c'est un désir volontaire de nuire. De l'argent. Et puis, les enfants, là, ce sont tes enfants. Tu ne prends pas soin des... Non. Ça ne passe pas. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, pour lui, c'est soit l'alcool, trouver des autres femmes qui l'entretient, en fait. En ce qui concerne la maison, la scolarité des enfants, il ne fait pas face. Ça veut dire qu'à la base, il n'avait jamais aimé la femme. Ça veut dire qu'à la base, il n'avait jamais aimé la femme. Ils se sont mis ensemble pour un intérêt matériel. Soit c'est parce que la femme a gagné plus ou la femme avait déjà une position bien définie au niveau de sa famille ou encore au niveau de sa carrière. Parce qu'il y a un problème aussi. Les femmes carriéristes, là, celles qui aiment avoir des grands diplômes et des grandes études, là, se retrouvent parfois... face à un mur où aucun homme n'a plus besoin d'elle, en fait, ne veut pas d'elle. Tu as tellement étudié, tu as des bacs plus 14, tu as des doctorats en ceci, des doctorats en cuisine, doctorats en lecture, doctorats en cela. Donc, du coup, l'homme a même peur, en fait, de s'approcher de toi. Et tu deviens tellement convaincu de tes diplômes et de ton intelligence que tu te dis qu'un homme ne peut rien te dire, en fait, il y a ce problème-là aussi. Et ça engendre un peu de l'orgueil. Ça fait très souvent que ce genre de femmes se retrouvent en face des gigolos, des hommes qui ne sont là que pour leur argent. Et à ce moment-là, tu vas te retrouver en face d'un homme qui va simplement te faire des enfants, mais qui ne va pas s'investir. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont devenus comme ça. Hein, maman Oui. Il y a ça aussi, hein, par rapport à la question concernant le couple. Il ne faut pas oublier aussi que lorsque Dieu y crèche tout homme, Dieu fait reposer sur chacun de nous des appels. Lorsque Dieu nous crée, il met sur nous des appels. Il y a des gens, il y a des femmes qui sont appelées à faire carrière, que ce soit dans la science, que ce soit dans les finances, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans... Peu importe le domaine, il y a des femmes que Dieu a appelées pour faire carrière. Aujourd'hui, moi, je pense que l'interprétation du proverbe 31 nous a orientés tous dans le sens où toutes les femmes devraient être des entrepreneurs, vendre les arachides, être ceci. Non. Le proverbe 31 nous emmène à dire simplement qu'une femme sage ne doit pas croiser les bras. Ça doit être une femme active qui se bat dans la vie. La Bible dit qu'elle tisse, elle prend les tissus et tout ça. Là. C'est dans un contexte. Dans notre contexte, il n'y a pas forcément ce cadre-là. C'est un autre cadre. Si ces femmes-là avaient fait des études, les femmes, au temps où s'écrit ce chapitre-là, elles n'allaient pas à l'école. Les femmes n'avaient pas le droit à l'instruction et tout. Donc, tout ce qui leur était réservé, c'était des trucs comme ça, vendre le pourpre, faire des choses. Mais à nous, aujourd'hui, il y a l'éducation qui est ouverte à tout le monde. Gloire soit rendue à Dieu, on favorise même la scolarisation des jeunes filles et toutes ces choses. Et avec ça, Dieu appelle des femmes à briller dans certains domaines. À briller dans certains domaines. Et ça, c'est une vérité. Donc, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire aussi, souvent, on est dans des groupes de femmes où on dit, vous devez entreprendre, les femmes, vous devez entreprendre.
Toutes les filles ne sont pas appelées à entreprendre. Il y en a qui sont appelées à être dans un bureau, à gérer des personnes, à prendre des décisions, à créer des... C'est comme ça, il y a aussi un appel. Maintenant, un homme qui dit à sa femme ou qui interdit à sa femme, qui veut mater sa femme, qui veut dire à sa femme, moi, je veux pas que tu fasses carrière. En fait, il est en train de se mettre au travers même du chemin de Dieu. Il est en train d'empêcher au plan de Dieu de s'accomplir dans la vie de sa femme parce que des fois, sa femme a été appelée à faire carrière. Maintenant, ce que je remarque, c'est que des fois, il y a des femmes, comme a dit maman Boumel, qui font de cette carrière un moyen pour dominer l'homme, pour dire que voilà, je suis ton égal, avec tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, avec les coachs qui disent que tu n'es pas n'importe qui, tu es quelqu'un, affirme-toi, fais ceci, fais cela. Elle aussi, elle veut s'affirmer, elle veut devenir quelqu'un, et les hommes se sentent menacés. Je vous assure, mes amis, souvent les hommes qui écrasent leurs femmes, c'est vrai, il y en a qui sont mauvais, peut-être par complexe d'infériorité. Mais il y en a, c'est beaucoup plus parce qu'ils se sentent menacés. Ils voient que sa femme commence à devenir quelqu'un qui est comme en train de vouloir porter la culotte. Et il va chercher, malheureusement, ce sont les mauvais moyens, il va maintenant poser des actes pour la ramener à sa place. Et généralement, les actes qu'il pose, ce sont des actes qui ne sont pas bons. Mais parfois, c'est parce que ces hommes-là, ils sentent aussi que les femmes ont tendance à vouloir trop, voilà, s'imposer. Donc, voilà, donc tout ça, ce qu'il faut, surtout par rapport au couple, entendez-vous. C'est comme je dis toujours aux gens, les fiançailles, ce n'est pas fait que pour s'envoyer des messages, des textos, je t'aime, tu me manques et tout ça. C'est pour parler de tout ça. Quand tu es une femme, tu sais que Dieu t'a appelé à faire carrière dans quelque chose. Tu veux être médecin, 7 ans d'études, 3 ans de spécialisation. Ça fait 10 ans. Celui qui sera ton mari, il doit être préparé à ça. Yeah. Pour ne pas qu'un jour dans le foyer, ça devienne des tensions. Moi, je me souviens, ma maman, quand il fallait qu'elle fasse, qu'elle devienne infirmière diplômée d'État, elle avait dû venir à Brazzaville. Moi, j'étais au CE2, au CP1, et ma grande sœur était, je pense, au CE1 ou au CE2, comme ça. Donc, on avait laissé... Bon, à cette époque-là, c'était moi le dernier enfant, je veux dire. Sauf si non, c'était même pas moi. J'avais mon petit frère. Il avait quel âge? On a 3 ans d'écart, donc si j'avais 6 ans, donc lui, il avait 3 ans. Et ma maman l'a laissé à Pointe-Noire, elle emmenait que moi et ma grande sœur à Brazzaville parce il fallait qu'elle sorte infirmière. Elle est venue continuer à Bukavu de Brazzaville. Vous voyez, mais quand elle a fini, je ne sais plus trop combien, mais c'était toute une année scolaire puisque j'allais à l'école. Donc après ça, elle est revenue à Pointe-Noire. Vous voyez, ça, ce sont des ententes comme ça. On se dit, bon, ça va durer 9 mois, après je reviens et tout ça, là, ma carrière continue. Tout aussi, ça dépend de comment vous êtes arrangé dès le départ. C'est très important. C'est très important. Parce qu'il ne faut pas être surpris. Ah non, on ne s'était pas entendu comme ça et tout. Tu commences à aller étudier aux États-Unis, aller au Canada. Non, 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 moi, je ne veux pas. Mais est-ce que vous en avez parlé au départ? Si c'était le plan du départ, il faut l'assumer. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et puis, la carrière, vraiment... C'est comme a dit maman Boumel, ça permet à quelqu'un de s'accomplir quand même. Et il y a des gens qui sont appelés à ça. Et laissons ces personnes-là, chers messieurs, ne vous sentez pas menacés. Ne vous sentez pas menacés. Ne vous sentez pas comme comment on va dire, comme si on veut prendre votre place. C'est simple, bénissez simplement le Seigneur d'avoir accordé cette grâce et ces capacités à votre femme. Parce que c'est votre fierté. Il y a des hommes aujourd'hui, ils sont fiers, ils voient leurs femmes qui font des conférences, qui parlent à plusieurs. C'est une fierté pour toi aussi. Ce n'est pas qu'on va dire que ah non, c'est la dame qui porte la culotte. Non, c'est une fierté d'avoir une femme intelligente, une femme qui fait carrière dans un certain domaine. C'est très important. Dernièrement, dans le groupe, on parlait de Angela Merkel, cette femme d'État allemande. Une femme vraiment... on va dire, qui fait carrière dans la politique. On voit jamais son mari, c'est elle qui est sur les projecteurs. Mais je me dis que si M. Merkel était le genre d'homme qui écrase et qui fait, je ne sais pas comment, qui est jaloux, qui souffre d'un complexe, Angela Merkel n'aurait pas peut-être été la chancelière brillante que l'Allemagne a connue. Donc, voilà un peu. Et on dit souvent que derrière un grand homme,
se cache une grande dame. Et je ne pense pas que ça devrait seulement se dire comme ça. Ça signifie aussi que derrière une grande dame se cache un grand homme. Parce qu'un homme, bien, un homme qui aime réellement sa femme, devrait emmener sa femme à réaliser ses rêves. En réalité, lorsque même, je prends le cas d'un couple, lorsque on se marie, monsieur, madame, chacun de nous a un niveau donné. Un homme qui dit aimer sa femme devrait emmener sa femme à ressortir d'elle le meilleur d'elle-même. Devrait emmener sa femme à devenir une femme accomplie. Parce qu'en réalité, lorsque tu as affaire à une femme accomplie, tes enfants aussi suivront les mêmes traces. Ça signifie que ça sera une mère qui sera capable de coacher ses propres enfants. Ça sera une mère qui serait capable d'éclairer ses enfants dans le domaine de la réussite, dans le domaine du business. Si c'est une femme qui avance au niveau du business, c'est une femme en fait qui serait capable d'ouvrir des entreprises au lieu de compter sûrement sur les employés qu'elle devrait recruter, mais elle peut former ses propres enfants à devenir demain les vrais remplaçants dans cette entreprise-là. Donc, derrière une grande femme se cache un grand homme. Et normalement, il ne devrait pas avoir une menace. C'est une fierté de dire que mon époux est monsieur le ministre, mais c'est aussi une fierté de dire que mon épouse est la madame la ministre. Ça ne doit pas être une raison de dispute. Au contraire, lorsqu'on voit une femme s'accomplir, on comprend que derrière cette femme, il y a quelqu'un qui est en train de faire un grand effort. Il y a quelqu'un qui se sacrifie. Donc, ça ne devrait pas, c'est une entente en fait. Moi, je me rappelle encore au début de ma profession. Au début, en fait, pour moi, je souhaitais être dans la salle de saisie parce que j'ai fait comptabilité, je voulais bien faire. Mais mon époux m'a encouragée à faire ce que je n'avais jamais fait. Donc, il m'a encouragée, il m'a dit, il faudrait qu'il y ait quelque chose que tu fasses de nouveau pour pouvoir insérer dans ton CV, en fait. Donc, il y a eu plusieurs fois dans ma vie professionnelle où j'ai été à bout. Je me suis dit, bon, je vais abandonner, je vais démissionner, je préfère rester à la maison, élever mes enfants. Mais lui, il m'a encouragée. Ça a été cette personne-là dans l'ombre qui m'a dit, dans les moments de crise où tu sens que rien ne va au niveau professionnel, où tu as des stress, tu as la pression, où tu ne comprends, tu n'as plus le désir de repartir au boulot. Mais ça a été cette personne dans l'ombre qui m'a encouragée pour me dire qu'en réalité, il y a des moments comme ça dans le boulot et il faut que tu sois forte. Et le peu d'expérience que je peux dire en 7 ans à MTN, je peux dire que mon époux a été de beaucoup pour moi. Donc, si je suis cette petite femme-là ou cette dame-là qui aujourd'hui peut leader des équipes, qui peut diriger des équipes, c'est parce que j'ai eu un homme pour m'encourager. Un homme pour me dire qu'en réalité, tu peux diriger. En réalité, tu dois faire ça. Un homme dans les moments où de dépression qui m'a dit tu dois pas abandonner, le boulot c'est ça, tu dois foncer. Mais on peut dire que madame Koubemba, oui, elle fait ceci, elle est responsable, mais les gens ne savent pas qu'il y a derrière quelqu'un qui fait un effort. Donc j'aimerais encourager les hommes, tu es là, il y a ta femme qui fait carrière, encourage lui, c'est à ton bénéfice, au bénéfice de ton épouse, au bénéfice de tes enfants. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit, c'est au bénéfice de la famille, des enfants, le mari, c'est votre fierté. Moi, j'aimerais qu'on puisse conclure parce qu'il nous reste que quelques minutes. Il y a aussi l'actualité en ce qui concerne Hakimi. Est-ce que cette situation ne pousse pas aujourd'hui des femmes? Je sais qu'il y a certains médias qui ont démenti cela. Mais au moins, beaucoup de femmes ont pris conscience de ne pas compter sur l'homme à 100%, même combien de fois il a des moyens, il souvient aux besoins de la famille à 100%. Parce qu'il y en a de ceux qui disent à leur femme, ne travaille pas en fait. Moi, je
je prendrai soin de toi, soin des enfants, tu ne manqueras absolument rien. Je connais un exemple, un ami dont sa maman aujourd'hui souffre parce que quand elle était jeune, intelligente, elle a étudié. Le mari avait dit, je te ferai un salaire, je ferai tout. Mais après, au fil de temps, le monsieur a trouvé une autre femme. Il a construit une maison, il habite avec cette femme, il a épousé cette jeune dame. Mais aujourd'hui, la maman de cet ami-là, elle est vieille. Pas peut-être vieille, mais elle est déjà dans les cinquantaines. Elle ne peut plus travailler. Vous voyez, donc le mari est parti, elle est restée avec les enfants. Aujourd'hui, pour payer le loyer, c'est compliqué. Vous voyez un peu, est-ce que cette situation ne réveille pas des femmes pour dire que je dois faire carrière? Qu'est-ce que vous en dites à propos de la situation d'Hakimi? Ça pousse des femmes aussi à être indépendantes, de faire de leur carrière une priorité. Bon, je ne connais pas les contours. Maman, tes filles, un homme qui dit à sa femme, ne travaille pas, je ferai tout pour toi. Ok, et si tu meurs? Oui, mais pas... T'as dit, tu feras tout pour moi. Mais si demain, là, tu meurs, je fais comment? Je fais comment? Toi, tu es mort. Tu m'as promis... Donc, oui, maman Grace, allez-y en une minute, je vous écoute. Pour moi, je me dis que c'est un piège et un piège auquel la femme devrait être prudente. Tu me dis, tu feras tout, mais si tu meurs. Tu me dis, tu feras tout, mais si demain tu divorces de moi, qu'est-ce que je deviens? Il y a plusieurs femmes qui sont tombées sous ce piège-là. Et pour moi, personnellement, je dirais que c'est un piège dont il ne faut pas mordre la méfaim. Un homme qui t'aime et qui pense faire quelque chose, c'est encore mieux qu'il te donne une somme d'argent où tu pourras te lancer dans un business donné. En quelques mots, puisque maman Tefi dit qu'il faut qu'on puisse conclure, voilà de ma part. De mon côté, en tout cas, femme, ne tombe pas sur ce piège. Ça, c'est mon point de vue. Ne tombe pas, qu'il te donne quelque chose, lance une activité, vend du charbon. Parce que s'il ne meurt, tombe pas dans ce piège, autrement dit, fais passer ta carrière avant tout. C'est ça, maman? Non. Qu'il te donne de quoi sécuriser ta vie et celui de ses enfants. Au cas où il y a un accident de vie, n'est plus, maman divine, je fais comment? Disons-nous la vérité. Je ne fais pas passer ma carrière, mais donne-moi quelque chose. C'est à ce moment-là qu'on dit que la femme sage bâtit sa maison. Si le monsieur, c'est comme au départ déjà, vous vous êtes convenu que tu ne vas pas travailler et que c'est lui qui va ramener le manger à la maison. Ça veut dire que ta part de responsabilité, c'est d'éduquer les enfants. Toute l'éducation des enfants... Toute la gestion de la maison est entre tes mains. C'est déjà un travail. Maman, crier du matin jusqu'au soir, hey, « Laisse, va, reviens, fais, hey, hey. » C'est un boulot à plein temps. C'est comme si tu partais au travail et tu revenais. C'est épuisant. Faire les devoirs, la corvée, le repassage, la nourriture, réfléchir tous les jours, 7 jours sur 7, sur ce que des personnes vont manger. Et en dehors de ça, il y a la chambre qui t'attend, il y a le devoir conjugal. Maman, c'est un métier. Tu peux être PDG de ta maison. C'est un métier à plein temps. C'est pas un sommeil. Le problème, c'est que... Non, maman, c'est pas question de sécuriser. Tu sais, maman, même le travail ne sécurise pas l'avenir. Parce que tu peux arriver au boulot et puis tu as un accident de travail, tu as les membres amputés, tu fais comment? Tu vas te retrouver aussi à la maison. Ce qu'il faut faire, c'est peut-être profiter ou bien s'organiser avec les moyens que monsieur ramène à la maison, ouvrir un compte bancaire, commencer à épargner de l'argent, avoir une gestion. Pour les mauvais jours, épargner pour les mauvais jours.
Parce que c'est justement les femmes aussi qui inculquent, en fait, qui déstabilisent d'autres femmes. Quand elle se dit non, elle est seulement à la maison, elle ne fait rien. Elle n'est pas seulement à la maison, c'est pas qu'elle ne Maman fait rien, elle Brumel. Maman Brumel, merci beaucoup parce que je sens qu'on était sur. Je sens que tu venais de. Dans la, tu étais en train de venir te connecter avec ce que j'allais dire. Aujourd'hui, surtout sur les plateformes de femmes, les réseaux sociaux, on est en train de mettre mal à l'aise les femmes qui ont mis parfois leur carrière entre parenthèses pour s'occuper et Voilà. se consacrer de leur, à leur foyer, pour créer des fois C'est des futurs présidents, des futurs chefs d'entreprise, des futurs prophètes, des futurs, je ne sais pas, hommes politiques. On a fait de ces important. femmes-là des femmes inutiles et ce sont des femmes, Voilà. des fois, qui se sentent, qui ont maintenant développé des complexes d'infériorité. Elles se sentent moins femmes parce qu'elles ne vont pas, parce Ne qu'elles ne font pas travaille pas. ceci. Parce que... Mais parfois, ce sont des femmes qui épargnent aussi pour les mauvais jours. Et toi qui es hyper active tous les jours, des fois, tu n'as rien dans ton compte. Mais Donc là, parfois, elle fait comme la fourmi. Elle met 10 francs, 10 francs, 10 francs à côté. Quand on va voir son compte, des fois, elle est dans les 10 millions et même plus. Mais elle est là, Ah, elle gère sa maison. Et ces femmes-là, on les a est-ce que tellement vues comme... On les a le fait, tellement vues maintenant comme... Non, en fait, c'est là... le fait d'élever les enfants t'empêche à faire une activité? C'est la Mais question que maman, je pose. ça dépend des cas. N'est C'est pas un choix de vie, entrepreneur. maman Grâce. C'est très Tout important qu'on puisse mettre l'équilibre. Il y a des femmes qui ont fait le choix de mettre leur carrière. Ça peut être aussi parfois un appel. Ne frustrons pas. Il y a des femmes qui sont aussi appelées. Dieu a dit, toi, ton ventre, là, tu vas produire des prophètes. Donc, elle doit élever le prophète. Elle doit l'éduquer. Celui qui sera bientôt pasteur, qui est son fils, elle doit le briser, elle doit lui inculquer des valeurs. Il ne faut Mais pas qu'on puisse critiquer ces femmes. Si tu as une femme, moi je suis en, maman Grâce, s'il maman te Ruth, plaît, je suis en train de vouloir mettre l'équilibre, vas-y. maman Grâce, s'il te plaît. Soyez un peu, non. Moi, je n'ai pas dit que c'est mauvais qu'une femme travaille, mais aujourd'hui, ces femmes-là qui ont fait le choix, c'est vrai, il y a des paresseuses, ça, on ne va pas se mentir, mais la plupart des femmes qui ont fait ce choix-là, de se consacrer à leurs enfants, à leur foyer, on les méprise maintenant, on les juge mal, on les traite de paresseuses, de femmes inutiles et tout ça là. Attention, ça aussi c'est un piège dans lequel nous ne devons pas tomber. C'est vraiment un piège. L'autre chose que j'aimerais dire, moi j'encourage vraiment les femmes à faire carrière. J'encourage vraiment. Moi qui vous parle, j'avais toujours voulu avoir des doctorats. Mais malheureusement, j'étais dans un contexte familial qui ne m'avait pas permis de le faire. Je voulais vraiment faire carrière dans les sciences politiques et tout ça là. Dieu n'a pas permis, il sait pourquoi il n'a pas permis ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'allais dire? Oh là là. Il y a des femmes aujourd'hui que... oh, ce que j'allais dire, c'est parti. Par rapport à la... qu'est-ce que je disais? Je parlais de... Voilà, il y a des femmes aujourd'hui... on m'a laissé par rapport à ça. Alors, ce que je devais dire, c'est qu'en tant que femme chrétienne, il faut que vraiment je fasse un retour rapide à notre thème. En tant que femme chrétienne, notre carrière ne peut pas passer avant tout. Et Jésus, alors, c'est où ça prend la place de Jésus? Chrétienne, notre carrière, c'est peut-être notre mission. Notre appel que Dieu nous a donné, mais l'appel ne peut jamais être plus grand que celui qui appelle. Impossible. Notre appel ne sera jamais plus grand que celui qui nous a appelés. Donc celui qui nous a appelés est toujours plus grand. En tant que femme chrétienne, dire que moi, ma carrière passe avant tout, pour moi-même, Dieu qui entend ça dans le ciel, il va se sentir lésé. Il va dire, mais où est ma place alors? Donc, tout doit se faire vraiment, comme j'aime le dire, dans l'équilibre. La carrière, c'est bien, mais une carrière ne peut pas passer avant tout. La carrière ne passe pas avant tout. Elle ne passe pas avant Dieu. Elle ne doit pas passer avant nos enfants. Il y a des moments comme ça où on met certaines choses de côté, c'est compréhensible. Mais en règle générale, la carrière ne doit pas être la chose qui passe avant tout dans notre vie. Je comprends ces femmes-là, mais je ne les tolère pas à 100% parce que... Parfois, c'est un vécu. On a vécu des situations où on voit un monsieur qui meurt, on vient brutaliser la femme parce qu'elle n'a rien. Ça, je comprends. Mais
une fois qu'on a la carrière, on ne peut pas la faire passer avant tout. C'est vraiment trop. Maman Saya, rapidement, on atteint déjà. D'accord, donc rapidement, vraiment, pour revenir à la situation d'Hakimi, je pense que comme j'ai toujours dit, la base a été faussée. La plupart de ces filles-là, ce sont des filles, des crocos de diamant, des filles qui viennent se mettre en couple avec des hommes qui ont beaucoup d'argent, dans l'intention d'avoir des mariages contrats, en fait. Bon, je ne dis pas que c'est le cas de M. Hakimi, moi, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis que la plupart, on a vu, par exemple, le joueur Eboué, l'Ivoirien, qui s'est retrouvé appauvri. Comment un homme qui est resté avec toi, qui a fait des enfants avec toi, tu prends tout son argent, le gars partait transpirer sur le terrain et tout ça là, hein, à éviter des AVC, on ne sait pas qu'est-ce qui devait lui arriver, et tout ça là, des chutes et tout ça là. Mais quand même, tu arrives à le dépouiller jusqu'au bout des orteils. C'est de la méchanceté. Et moi, si mon fils fait le Hakimi là, je serais d'accord. Il n'a qu'à mettre ce qu'il va mettre de côté. Il l'a fait pour sécuriser. Si c'est un cas, franchement, qui est naturel. S'il l'a fait, c'est parce qu'il a senti que dans leur relation, il n'y avait pas de transparence, il n'y avait pas de clarté et il a été obligé. De la même manière que la fille s'est mariée pour le gain matériel, le gars aussi a mis son fond de côté. Ça, c'est quel fils qui ne va pas vouloir, ça, c'est quelle mère qui ne va pas vouloir que son fils soit heureux de ce qu'il est en train de travailler. Quelque part, donc, ça booste les femmes de travailler aussi, de ne pas compter, de se dire que je me suis mariée à un homme riche, c'est sûr que... C'est la complémentarité, maman. Le mariage, c'est la complémentarité. Si tu t'es mariée avec un homme riche, gloire à Dieu. Mais il faut que tu apportes, en dehors du fait que ton mari t'apporte de l'argent, qu'est-ce que toi, tu apportes en plus à ton mari? C'est ça le problème. L'argent, ce n'est que... Ce que maman Bimel a dit, dans le cas d'Hakimi, ces femmes-là, ce sont des croqueuses de diamants. Elles n'ont pas besoin de travailler. Elles ciblent des hommes qui ont déjà atteint le sommet. Leur travail, le mariage, la même. Voilà, elle crée une situation et elle prend tout, elle est partie. Voilà. Donc, le... Parfait. C'est pas normal. En 30 secondes par rapport au thème, qu'est-ce que vous dites? Pour moi, je dis qu'une carrière ne doit pas passer avant tout. Déjà, il y a Dieu, il y a la famille et puis il y a la carrière. Donc, la carrière arrive en troisième position. Lorsqu'on va dire que ma carrière passe avant tout, on va déjà à l'encontre même de l'idéal de Dieu pour l'être humain et pour la famille. Ça, c'est le mot. Et puis, moi, j'allais souligner, maman, tu n'as peut-être pas le plus grand diplôme du monde. Ne te sous-estime pas. Tant que tu peux porter quelqu'un dans ton sein, lui donner une éducation, attelle-toi, applique-toi seulement à ton enfant des bonnes valeurs. Tant que tu lui donnes des bonnes valeurs, à ce moment-là, tu verras que Dieu aussi, dans sa grandeur, va te donner les capacités de bien éduquer tes enfants et de faire de ça. Nos grands-mamans, là, elles n'ont pas étudié à Harvard, elles n'ont pas étudié à Marien Gwabi, mais elles ont pu canaliser nos grands-parents qui, aujourd'hui, sont devenus des grands menuisiers, des grands architectes et tout cela. Ne nous dévalorisons pas. C'est justement la société qui vient nous inculquer ces valeurs-là. Que lorsque tu n'as pas un bac plus 25, lorsque tu n'es pas parti dans tel pays, lorsque tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, c'est que tu ne vaux rien. Non, tu n'es pas obligé d'être ministre, même à la maison, même le simple fait d'éduquer, de crier « laisse, ne va pas ceci, fais ceci », c'est compliqué. Apprendre un enfant à parler, à marcher, c'est un travail à plein temps, ça demande de l'énergie. Donc, tu peux te former, de nos jours, il y a l'Internet. Tu peux te former, comment être la meilleure maman de la maison, comment être... Il y a des gouvernantes ici, là, les blancs, là, ceux qui ont beaucoup d'argent. Ils ont besoin des gouvernantes parce que justement, que leur carrière passe avant tout, ils n'ont pas le temps de prendre soin de leurs enfants et on a besoin des gouvernantes. Mais les gouvernantes, ce sont des femmes instruites. Elles ont la pédagogie, elles apprennent, elles ont un peu touché dans tous les points et puis ce sont elles qui enseignent à vos enfants, vous les riches, là, comment est-ce qu'il faut s'asseoir, comment est-ce qu'il faut manger. Exactement. Donc, il y a des femmes qui ont fait passer leur carrière avant tout. On va déborder un peu. Vous voyez déjà le déséquilibre. Merci, maman.
On a fait passer la carrière avant tout et c'est une autre femme qui élève notre enfant. Vous voyez? Le soir au coucher du soleil, tu n'as pas le temps de voir ton enfant dormir. C'est tata. Lorsque l'enfant va commencer à parler, il ne va pas dire maman, il va dire tata. Parce que c'est tata que l'enfant voit au lever et au coucher. Toi, tu n'es pas là, tu es dans ta carrière. Donc, il faut savoir équilibrer. Après, il faut prendre tes livres, tes comptes bancaires, tu vas les manger. Quand tu n'auras plus des enfants à côté de toi, tu vas commencer à dire, ah voilà, je n'ai personne et tout ça là. Non, c'est comme a dit maman Divine, à un moment où il a carrière, quand tu es célibataire, quand tu penses que pour l'instant, tu as le temps de faire certaines choses, tu le fais. Mais après, à un moment, il faut savoir, quand tu t'es mis en couple avec quelqu'un, équilibrer les choses. Voilà, cette année, il faut que j'apprenne ceci. D'accord, c'est pourquoi? C'est pour le bien de la famille. Ok, l'année prochaine, toi, tu apprendras ceci. C'est pourquoi? C'est pour le bien de la famille. Toi aussi qui restes à la maison. Il y a beaucoup de cas d'infidélité aussi qui ont été dus à ce raisonnement-là, ma carrière d'abord. Voilà. Monsieur est parti de ma carrière. La femme délaissée, avec la secrétaire. Un sapeur-pompier là qui veut éteindre le feu. Pareil, il y a des femmes dans ma carrière d'abord, tout sont parties et monsieur va trouver une sapeuse-pompier, je ne sais pas comment c'est la fête, va venir comme. Donc, voilà. Fidèle, s'il a la crainte de Dieu, hein, c'est à discuter vraiment. Oui, s'il a la crainte de Dieu, il va se retenir, mais n'empêche qu'à un moment. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. À un moment, ça, même si l'homme a vraiment donné libre cours à la femme, je vous assure, on est des êtres humains, à un moment, voir sa femme qui est tout le temps partie, un mois, deux mois, trois mois, neuf mois, c'est vraiment très difficile. Même s'il ne va pas le dire pour ne pas frustrer sa femme, mais il le vit. Et c'est une grande frustration aussi. Ok. Donc, en conclusion, pour ma part, je dirais que Allez-y, j'allais juste donner un exemple d'une femme aussi qui avait démissionné pour prendre soin de ses enfants parce que les enfants n'avaient plus les mêmes résultats qu'avant. Et après, c'est la femme d'un pasteur et à la fin, elle s'est rendue compte que c'est le travail. Elle n'avait plus le temps de faire les devoirs avec des enfants. Donc, elle avait dû démissionner de son poste où elle gagnait très bien sa vie. Mais aujourd'hui, elle a créé une marque de pommade, en ce qui concerne l'entretien des cheveux, après qu'elle ait pris soin de ses enfants, aujourd'hui, tous ses enfants sont des cadres. Chacun est en train de travailler dans son domaine. Donc, je me dis aussi, comme les mamans l'ont dit, si c'est vraiment un besoin, tu constates de tout abandonner pour se consacrer à l'éducation des enfants, pour voir tes enfants réussir demain, qu'ils soient indépendants, qu'ils ne soient pas dépendants de toi à la vieillesse. Mais je pense bien, Dieu fait toujours grâce. Il y a aussi le témoignage de maman Viviane Dallo. Pendant un certain temps, je pense, elle a eu à consacrer à l'éducation de ses enfants. Je ne sais pas si c'est des années ou... Mais il y a une histoire comme ça qui va avec son témoignage. Donc, les mamans, si c'est votre choix, et faites-le avec beaucoup d'amour, Dieu va vous récompenser. Je pense bien, il donnera toujours de l'intelligence financière pour compenser toutes ces années. Et maman, grâce. Les mamans ont tout dit en un mot, je dirais effectivement. Chaque chose a son temps et il faut être équilibré. Peu importe le boulot que tu as aujourd'hui, ce boulot prendra fin un jour. Ça signifie que même si tu es en CDI, plus tard, le patron trouvera les moyens de pouvoir te remercier. Alors, s'il y a vraiment un CDI qui existe quelque part, c'est ton foyer, c'est ton époux, ce sont tes enfants. Donc, évidemment, même si tu as plus d'amour, plus d'ardeur, essaye toujours d'équilibrer, faire la part des choses, donner à qui de droit ce qu'il lui faut donner à l'instant même. Donc, pour ma part, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne cette force à pouvoir être des femmes équilibrées, à pouvoir garder l'équilibre entre d'abord le Seigneur, le foyer et puis le boulot que vous avez actuellement. Vraiment, en un mot, que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Merci pour toutes les personnes qui nous ont suivies. N'oubliez pas surtout d'aimer la vidéo, de liker. Nous avons parlé de la carrière. Nous avons retenu plein de choses. Je salue Splendor, je salue Jessica, je salue aussi Lorica. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et richement. C'est par là que nous allons mettre fin à notre talk show de ce soir, ce numéro. Je ne sais pas, je vois maman Brumel qui bouillonne. Est-ce qu'elle a une dernière phrase? Ou maman divine? Non, non, non. Vous savez que les femmes parlent beaucoup. On va résister jusqu'à demain. En tout cas, on n'a pas tout dit, mais non. La carrière, en fait, bon, on a décidé que c'est Dieu, la famille et la carrière, voilà. Interdiction de se tuer au travail pour vouloir impressionner qui que ce soit. Parce que demain, quand tu vas mourir là, ou quand tu seras faible, ce sont les mêmes personnes qui vont dire, mais elle a consacré tout son temps au travail. La suite, on va se retrouver vendredi prochain à partir de 20h. 30 heures de Brazzaville, 21 heures d'Éthiopie et 15h30 heures d'Ottawa, comme le dit souvent maman Tessie. Espérons que le Seigneur vous garde sur ce. Nous sommes très heureux de savoir que vous étiez là et nous encourageons une femme qui a un souci, qui s'est retrouvée dans le thème si elle a besoin de parler, d'échanger. Nous n'avons peut-être pas les mots qu'il faut, mais nous avons le Saint-Esprit, le Consolateur qui est là, qui va nous conduire dans toute sa grandeur. Vous avez ces merveilleuses femmes, Maman Grâce, Maman Ruth Divine, Maman Tessie, Maman Brumel qui sont là. Elles peuvent vous accompagner dans la prière ou encore dans une orientation quelconque. En tout cas, merci encore d'avoir été avec nous. Que le Seigneur se souvienne davantage de vous. Merci à toutes les personnes qui vont passer sur cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Sur ce, nous vous disons bonne soirée et à demain. À lundi, pardon. À lundi, nous avons une autre émission romantique. Histoire d'amour, voilà, avec un couple. Maman Tessie, est-ce que tu es là? Vous voyez, dans le talk show, on est polyvalent, on fait tout. Je suis là, je suis tellement contente. Et pour ce qu'elle a dit, il y a un groupe de femmes principes pour toutes ces personnes-là qui veulent bien être suivies, qui ont des questions. Vous allez intégrer, je mettrai après ce live, je mettrai le lien dans la description qui est dirigé par Maman Brumel et Maman Divine. Maman Divine est chantre de l'Éternel. Le lundi prochain, je mettrai aussi, je veux faire la capture de sa chaîne YouTube afin que vous puissiez voir. Mais après ce live, je mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans la description. Nous sommes 9 personnes. Si les 9 peuvent aller s'abonner sur sa chaîne YouTube, ça nous fera énormément du bien. Mais pour des discussions, elles sont très, très discrètes. Donc, vous pouvez les contacter. Je mettrai le groupe de femmes de principe dans la description. Voilà, vous allez voir un petit message défiler. C'est par là que nous allons mettre fin à cela. Maman Brumel a tout dit. Je n'ai plus rien à dire. Donc, le reste dans la description. Que le Seigneur vous bénisse.